Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour un deuxième épisode de Rendez-vous. Cette rubrique présente les lieux qui font vivre le monde de l'art, du design et de l'artisanat. Aujourd'hui, nous partons dans le quartier Saint-Michel pour découvrir un espace bordelais, la Bakery Art Gallery. Ce lieu rassemble une galerie d'art contemporain, une boulangerie-pâtisserie spécialisée dans le sans gluten et le bio, et divers espaces à vivre particulièrement agréables. L'édifice qui accueille ces activités est tout aussi remarquable, alors je laisse Christian Palatier, le directeur de la galerie et historien d'art, vous raconter son histoire. L'Hôtel de la Perle, c'est un lieu exceptionnel. Quand on est arrivé ici avec Sylvie, qu'on a découvert cet hôtel particulier du XVIIe siècle, on a tout de suite eu un coup de foudre. C'est un lieu qui mélange l'histoire de Bordeaux, puisque ça a été pendant 115 ans l'hôtel particulier du maire de Bordeaux. Organiser des expositions, faire se rencontrer les gens, dans un lieu qui est déjà chargé d'histoire, pour nous c'était extrêmement important. Cet endroit, c'est un temple franc-maçon. Il y en a très peu, c'est un temple rose-croix. On voit les détails des gerbes de roses qui descendent de la façade, les petits anges avec les outils. Et sur l'autre côté, sur le grand côté de la façade, on a un balcon avec le A de Audibert, qui est signé avec un compas et une équerre, et qui montre bien l'appartenance de Audibert à la loge des bâtisseurs, en l'occurrence à Bordeaux, qui était la deuxième des grandes loges franc-maçonnes bordelaises. Et l'Hôtel de la Perle a été totalement reconstruit, ressorti de terre au milieu du 19e siècle. C'est un immeuble qui est construit avec toute l'ingénierie ferroviaire qui arrive avec la passerelle Eiffel en 1855. L'idée, c'était d'avoir 500 mètres carrés dans lequel on puisse développer avec ma femme une histoire d'amour, une histoire qui traverse nos passions et nos valeurs, à la fois l'accessibilité de la gastronomie et de l'art contemporain, la possibilité de venir simplement avoir un lieu d'expérience, on peut chiller en terrasse, trouver un bouquin, découvrir une pâtisserie, venir partager avec des amis un moment. Et c'est exactement cela qu'on a fait, c'est-à-dire en variant des expositions, en organisant des rencontres, en organisant des lectures, en faisant des soirées avec des musiciens ou des danseurs. Et tout ça évidemment en collaboration avec toute l'infrastructure culturelle de Bordeaux. Et j'ai eu surtout la chance de croiser la directrice du Centre National de l'Édition et Art Images, Sylvie Boulanger, et il se trouve que leur collection, qui leur appartient en propre. Et donc on a accueilli ici une des trois collections, la collection multiple, avec près de 3000 pièces. Et rendre l'art accessible aussi. C'est dire, on rentre dans un lieu gratuit, on va avoir quelqu'un qui vous accompagne, qui va vous faire découvrir l'art contemporain de manière la plus simple possible. En plus de leur actuelle exposition, vous retrouverez un grand nombre de multiples. Hein, pardon, de quoi? Ne vous inquiétez pas, nous en reparlerons dans notre prochain épisode de Lexique. Sur ce, rentrons dans la galerie. Bienvenue chez BAG pour cette nouvelle saison Summer où on présente 5 femmes, 5 sens, 5 paysages. Le souhait, c'était autour de l'anniversaire du centenaire de Joseph Beuys, donc cet immense sculpteur allemand qui a révolutionné l'art du XXe siècle et qui aujourd'hui continue à interroger celui du XXIe. Dans le cadre de son centenaire et d'une collaboration avec le Goethe-Institut, on a souhaité aborder les questions de sculpture sociale et d'art élargi. Donc la question, c'était de savoir si on pouvait montrer des artistes qui chacune utilisaient un sens. Donc on a une pièce olfactive, une pièce sonore, une pièce gustative, une pièce visuelle, une pièce tactile. J'ai invité 5 jeunes femmes, intelligentes, brillantes, résilientes, à questionner à la fois le paysage et à la fois nos sens. Pour en savoir plus sur les 5 œuvres et 5 artistes exposés, nous vous avons préparé une autre vidéo qui est une médiation complète de l'exposition. Et pour découvrir le cinquième sens évoqué précédemment, je vous donne rendez-vous côté boulangerie avec Sylvie Palatier. Bakery Art Gallery est un projet de quelques années, 5 ans je dirais. Une envie de me faire du bien, déjà. Ça a commencé comme ça.
avec toutes mes intolérances. Et il fallait que je trouve une solution pour moi. Et en trouvant cette solution pour moi, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que je la fasse partager à d'autres personnes qui avaient ces problèmes d'intolérance. Et c'est toujours un parcours du combattant, voilà, de trouver des produits sains, de bonne qualité, enfin, voilà, où tout est vraiment sélectionné. Et j'ai poursuivi la pâtisserie, du coup, après ma formation de boulangerie. Je suis allée à l'école Ducasse, j'ai été entre de très bonnes mains pendant aussi des stages chez Thierry Marx avec son boulanger Joël Defy, chez Franck Desperrier à Nantes qui est aussi un meilleur ouvrier de France. Donc j'ai eu la chance, voilà, de côtoyer de belles personnes qui m'ont beaucoup appris. La rigueur, l'exigence, être en bio était pour moi une évidence, donc la question ne s'est même pas posée. Et ma spécialisation est, du coup, j'utilise uniquement des farines libres de gluten. Donc riz, sarrasin, millet, maïs, voilà. Et bien sûr, au levain naturel. Voilà. J'espère que vous aurez aimé ce nouvel épisode de Rendez-vous. De mon côté, je prépare la prochaine chronique qui sera consacrée au monde du design. Si vous appréciez notre travail, pensez à vous abonner et à partager la vidéo à vos amis esthètes. Pour ne manquer aucun épisode, vous pouvez faire retentir la petite cloche. Et si vous souhaitez découvrir de jeunes créateurs français, apprendre au travers d'articles et mémoires, ou tout simplement vous faire plaisir, rendez-vous sur la Galerie des Curiosités. À bientôt!